va bien? Ben oui, toi? Ah oui, ça a bien été. J'arrive du gym. Tout a bien été. Bye, bon après-midi. Bon après-midi. Bonjour. Voilà, comment t'es rendue là dans tes cadeaux? Bon, parfait. Ouais. OK. Puis là, t'es-tu pas mal prête pour demain matin? Bon. OK. T'es fine. J'ai hâte à demain. OK, bye. Demain, c'est spécial. J'ai eu mon permis pour que je puisse passer le réveillon de Noël chez mon frère. Puis c'est familial. Puis ma famille est là, mon chum est là, mes petits-enfants sont là. Puis mon fils, c'est sûr. Ça fait 8 mois que j'ai pas vu mon fils, là. Là, il est là, là, tu sais. Fait que je te motive un peu, là. Ouais, j'ai hâte. Ah oui, j'ai hâte au maximum. Ah oui, ça va être un beau Noël, ça. C'est parfait. Tu mets tout ça dans un bac, tu sais. Mais pas qui sait, genre. Ouais, ouais, ouais. On a la tête bouchée. C'est une maison de transition pour femmes. C'est là qu'on suit des programmes. Puis, il faut démontrer notre bonne foi pour pas retourner dans l'école du crime, comme ils disent. C'est normal aussi, ce que je trouve. OK. OK, on y va? Oui. C'est fait. Moi, ma vie, elle a arrêté le 4 février 2014. Ça a été là, là, à 7h15. Puis, là, ma vie, elle a arrêté là, là. L'escouade a rentré. J'ai passé la nuit en prison. Fait que j'ai perdu mon emploi automatiquement. Vous imaginez que c'était comme une dépression. J'ai comme rentré dans une phase très noire. J'ai tombé de haut, là. Je me passais au-dessus de tout. T'sais, c'était la consommation, c'était la vente, c'était le trafic, tu sais. Puis que... Mais je m'en suis tiré propre. Pas si pire. Je suis pas trop perdu de plume. Ange gardien, que je prie, que j'invoque, aide-moi à être fort. Aide-moi à être celui qui veut que je sois et que je reflète dans mes gestes et mes paroles l'exemple qu'il nous a donné. J'adore ces petites prières-là. Ça m'a aidée. Puis j'avais ma famille qui m'appuyait. Je suis chanceuse, parce qu'il y en a qui n'ont pas. Pas de famille qui appuie, ni rien. Moi, ils m'appuient, ils m'attendent. Ils m'attendent samedi, ça va être une fête. Là. Puis quand j'arrive chez moi, je me sens tellement libre, je me sens tellement revue, tu sais. Faut que je reparte. C'est toujours des 48 heures ou des 72 heures, tu sais. Fait que... Je repars avec l'âme en peine, tu sais.
J'ai retrouvé ma famille, mon garçon, c'est sûr. J'avais vraiment hâte de le serrer dans mes bras, puis de se mettre au parfum, comme on dit, tu sais, de tout lui dire, tu sais, le rassurer, lui montrer que j'étais en forme, que j'allais bien mentalement, physiquement. Puis parce qu'il était inquiet un peu de savoir comment sa maman prenait ça, là, tu sais, avec tout le cheminement. Mais il a vu que ça allait bien. Tu sais, parce que j'avais eu comme un petit déclin aussi avant que je rentre en détention, fait que... Puis là, ben il m'avait vu aussi, je pleurais beaucoup, puis... Mais là, il a vu que je m'étais repris en main, puis... Oui, il m'a trouvé bien, bien en forme, la mère, tu sais. Que... Ouais, ça m'a fait plaisir. Bonjour, Annie. Bonjour, Marie-Belle. Tu t'en prêtes aujourd'hui? Oui, dernière rencontre. Oui, on va faire ton bilan. Mm-hmm. Fait que, en fait, comment ça a fonctionné? Je te pose quelques petites questions. Quand tu sors, t'es vulnérable parce que t'as peur du jugement des autres. T'as peur aussi de plus te retrouver de travail. Puis après ça, ça va terminer le programme. Mm. Merveilleux. Quand tu vas partir, ça serait quoi ton... Bien, quand je vais partir, là, c'est sûr que chez moi, bien, j'ai un service de garde à ma maison privée. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que je vais le mettre en fonction. J'ai des parents qui m'attendent déjà. Si ça reste que la maison me dise « Bye, Annie, je vais partir à la course. » Tout est prêt. Il est en mouvement, ce train-là. Hey, je l'étudie aujourd'hui, j'étais prête à partir. Non, j'ai je continue. Je me couche avec ça, je me lève avec ça. J'ai la première chose, j'appelle mon chum, j'ai dit ça. Ben non, pas aujourd'hui encore. Et qui fait partie de ta fébrilité là-dedans? Vers quoi t'as le plus hâte de retourner? De retrouver mon chez-moi. Dans mes affaires. Dans ma région. Dans mon monde qui dit là-là. Je m'ennuie de ça, tu sais. L'avais oublié, ça. Mettons, je me vois, là, voilà, 5 ans. Mais voyons donc, jamais j'aurais pu penser d'aller en prison, dans la maison de transition, avoir ma liberté réduite comme ça. Empêcher de voir ma famille, empêcher de... Et tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, voyons donc. Je sais qu'un moment donné, ils vont me dire « ça arrive ». Je souhaite prochainement. Là. Faut que j'arrête d'être trop fine, peut-être à cause de ça qui me garde. Toujours l'humour quand même. Oui, toujours l'humour quand même, ouais.